Bonjour, bonsoir élèves de NS4. Jeudi encore, nous tournons pour nous parler d'un thème extrêmement important pour les gens qui peuvent aller composer dans le baccalauréat. Et que thème, c'est polymérisation. À la fin de la vidéo, ça, un élève, vous supposez connaître comment on a écrit une équation de polymérisation et comment on a déterminé la formule chimique, c'est-à-dire la formule brute à partir de pourcentage. Et que comment on a identifié un monomère et un polymère. Pour nous commencer avec quelques monomères, nous jugeons qui est extrêmement important, l'on fait exercice généralement, que vous tombez sur une dans monomère ça, qui c'est éthène ou éthylène. Éthène ou éthylène, c'est le plus simple des alcènes. Et formule CH2, double liaison CH2. Il y a aussi propène, c'est CH2, double liaison CH, en liaison CH3. C'est une des monomères qu'on a rencontré. Il y a aussi chlorure de vinyle, CH2, double liaison CH, Cl. Et groupe CH2, double liaison CH, c'est le groupe vinyle. Et aussi cyanure de vinyle, CH2, double liaison CH, Cn. Nous avons aussi acétate de vinyle, CH3. Liaison COO, liaison CH, double liaison CH2. Et ensuite, pour nous finir, nous avons vinyle benzène ou encore styrène, C6, H5, liaison CH, double liaison CH2. Généralement, dans l'exercice, vous venez tomber sur une monomère. Et pour parler de monomère et polymère, c'est composé obtenu lors de la polymérisation. Et comment on prend pour me faire polymérisation, c'est additionner encore plusieurs fois. Si m'additionner deux fois, moi fais une dimérisation. Si m'additionner trois fois, moi fais une trimérisation. Dans ce cas, n égale à 3. N, c'est l'indice de polymérisation. Et si m'additionner plusieurs fois, moi fais ça une polymérisation. Comment utiliser pour m'additionner en les monomères? Et comment joindre en prime fin fait addition, il est polymère. Et ici, nous avons un modèle et comment capable faire une équation de polymérisation. Et songez que après fin fait ça, on toujours on capable en mesure pour faire quelle que soit équation de polymérisation. Si vous commencez pour faire équation de polymérisation de l'éthène ou encore éthylène. Et à noter que on met N. N, c'est l'indice de polymérisation. Ici, c'est quantité de carbone, c'est CH2, double liaison CH ou encore liaison A. A, et pour certains corps, par exemple, m'carrelé A ici, m'carrelé ACL, m'carrelé ACN, m'carrelé ACH3, m'carrelé ACH3 liaison COO, m'carrelé AC6H5, c'est-à-dire que c'est corps, c'est nom carbone corps. Maintenant, dans le cas de l'éthylène, c'est-à-dire que A lui-même n'y vient pas pareil. Maintenant, si je m'écris équation de polymérisation de l'éthylène, équation de polymérisation de l'éthylène, l'éthylène, on met N, parenthèse CH2, double liaison CH2, fermez parenthèse, temps vert, parenthèse est coupée par liaison, et CH2, double liaison qui était là, livine tourne liaison simple, et CH2, liaison N fois. N parce que, par contre, quantité, combien indice de polymérisation. Pas bien de dire N, c'est l'indice de polymérisation. Maintenant, et ici c'est l'éthylène. Le monomère c'est éthylène, polymère c'est polyéthylène. Ah, polymère c'est le produit obtenu lors de la polymérisation. Et équation de polymérisation de propène. On prend propène et la formule c'est, on met N, parenthèse, CH2, double liaison CH, liaison CH3, et fermez parenthèse, et puis ça donne exactement, on met parenthèse, liaison CH2, liaison CH,
et groupe CH3 ça me ramifie le CH3 et puis liaison parenthèse N fois. Ici le monomère c'est propène et polymère c'est polypropène. Ah, le qui est différent c'est m'a nommé un polymère, moi juste ajouter seulement poly. Et polymérisation de chlorure de vinyle. Chlorure de vinyle CH2, double liaison, on écrit chlorure de vinyle. Chlorure de vinyle. Et la formule c'est CH2, double liaison CHCl. Équation, on met d'abord N, le nombre de fois que je suis capable d'additionner. Parenthèse CH2, double liaison CHCl. Ça donne, parenthèse, on met liaison CH2, pas oublier que depuis que j'ai double liaison, depuis que j'ai fait addition, c'est-à-dire que la perte de double liaison, la vient de bonne liaison. Elle dit, équation de polymérisation, c'est équation qui est faite également sous liaison pi. Et puis, simple liaison CH, ici c'est modèle de A, on met CL, liaison parenthèse N fois. Ici, le monomère s'appelle chlorure de vinyle. Et le polymère, c'est polychlorure de vinyle. Communément appelé PVC. Équation de polymérisation. Et maintenant, équation de polymérisation de cyanure de vinyle. Et cyanure de vinyle. Cyanure de vinyle, la formule c'est CH2, double liaison CHCN. L'équation de polymérisation, on met la forme, on met N, parenthèse. CH2, double liaison CHCN, fermé parenthèse, temps vert. Liaison, parenthèse, CH2. Simple liaison CH, liaison CN, fermé parenthèse N fois. Parce que N c'est l'indice de polymérisation et ici on met liaison. Et le monomère s'appelle cyanure de vinyle. Et le polymère c'est polycyanure de vinyle. Polycyanure de vinyle. Et ensuite, si on prend acétate de vinyle. Acétate de vinyle. La formule c'est CH2 double liaison CH. Ça c'est le groupe vinyle. Liaison COO liaison CH3. Équation de polymérisation de l'acétate de vinyle. On met encore, on met N, parenthèse. CH2, double liaison CH, liaison COO, liaison CH3, fermé. Temps vert, on met liaison CH2, double liaison CH, liaison COO, liaison CH3, liaison, et puis N fois. N fois, c'est-à-dire que c'est le nombre de fois que je suis capable d'additionner monomère. Et enfin, si on prend vinyle benzène, et ici, et le monomère s'appelle acétate de vinyle, et le polymère, c'est polyacétate de vinyle. Chaque fois que on nomme un polymère, on met seulement poly. Et puis, acétate de vinyle. Polyacétate de vinyle, polycyanure de vinyle, polypropène, polyéthylène, polychlorure de vinyle. Et enfin, si on prend l'équation de vinyle benzène, on écrit vinyle benzène, encore appelé styrène. On écrit l'équation de styrène et on met N en parenthèse
CH2, double liaison CH, liaison C6, H5, fermez parenthèse, et ça donne l'équation, on met liaison CH2, simple liaison CH, et vinyle ramifié, ça donne C6, H5, et liaison, fermez parenthèse, N fois. Voilà, et à noter que, et là, on fait équation de polymérisation. Et si vous suivez toute forme ça, vous êtes capable de faire équation de n'importe qui corps de, pour faire équation de polymérisation de n'importe qui corps. Maintenant, nous dit ça, c'est quelques monomères que vous êtes capable de rencontrer. Et là, on va résoudre quelques exercices qui sont éteints. Monomère, c'est corps que vous prenez, on va additionner plusieurs fois. Maintenant, si on fait une équation de polymérisation pour éthylène, et n fois, c'est le nombre de fois que je suis capable d'additionner quoi. Et lui-même, le nombre de fois, ici n, c'est indice de polymérisation. Et le monomère s'appelle éthylène, et polymère, c'est polyéthylène. Et si on prend propène, propène, c'est le monomère, polypropène, c'est le polymère. Et on fait ici liaison, liaison, liaison. Bon, c'est généralement, on va toujours joindre trois liaisons sous même ligne. Les on fait équation de polymérisation. Chlorure de vinyle, c'est encore que vous jouez très 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 souvent. Et que l'on fait monomère, c'est chlorure de vinyle. Et le polymère, c'est polychlorure de vinyle. Généralement, que yo dit, c'est PVC. Et ensuite, si m'a fait pour cyanure de vinyle, cyanure de vinyle, le polymère s'appelle polycyanure de vinyle. Et vous présentez équation de cyanure de vinyle, l'équation de l'acétate de vinyle et l'équation de vinyle benzène. Maintenant, parce que c'était ça, nous avons besoin qu'on ait. Après vidéo, comment capable écrire une équation de polymérisation? Et le même déterminé indice de polymérisation, c'est N. Ici, on parle de indice de polymérisation. N est égal à C, masse molaire de polymère sur la masse molaire de monomère pour me jouer le nombre de fois que je suis capable de déterminer. Ici, N, c'est indice de polymérisation. Par exemple, si je dis m'a fait une trimérisation, dans ce cas, indice de polymérisation égal à 3. Et puis, ici, M, c'est la masse molaire et de polymérisation. La masse molaire de polymère. Et puis, et ici, c'est masse molaire de monomère. La masse molaire de monomère. Voilà. Et c'est si j'ai besoin de calculer l'indice de polymérisation, ou bien dans certains exercices, vous avez demandé pour calculer la masse molaire de polymère, ou bien dans l'autre exercice, et yo capable mandé pour me déterminer la masse molaire de monomère. Et ici c'est monomère et ici dans partie réactif là moi joindre c'est monomère et dans partie produit moi joindre polymère. Si besoin déterminer n le nombre de fois que me additionner, c'est la masse molaire de polymère sur la masse molaire de monomère. Maintenant nous allons passer dans la deuxième phase là, comment capable déterminer la formule chimique à partir de pourcentage.